sont les critères de déclenchement, en fait, même s'ils sont venus être précisés. Donc, l'action du casier écrêteur de crue, c'est de venir agir sur la synchronisation des crues de la Seine et de l'Yonne. Donc, en fait, on va venir observer au niveau de Gurgis. Alors, pourquoi Gurgis? Parce qu'on est à 24 heures, en fait, de la confluence avec Montreau. On va venir observer la formation d'un pic de crue. Quand on a une formation d'un pic de crue qui est réalisé, on sait qu'il va se propager en 24 heures. Et si la Seine aussi a un débit important au niveau de l'amont immédiat de la confluence, on va venir déclencher le pompage de manière à creuser la Seine au moment où le pic de crue de Lyon va rencontrer la Seine. Donc c'est vraiment sur ce principe que fonctionne le casier d'écrêtement des crues. Alors, ce principe de fonctionnement, c'est un principe qui est basé sur l'observation et non pas la prévision. Alors c'est important parce qu'on va chercher à voir le cru de pic de Lyon qui est formé vraiment 24 heures avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la décision de vraiment remplir le casier, on pourra la prendre de manière ferme que 24 heures avant le moment où on va appuyer sur le bouton pour déclencher le pompage. Avant, on est capable de faire de la prévision. Mais par contre, cette prévision, elle ne sera pas forcément suivie d'un effet certain sur le déclenchement du pompage. Donc ce qu'on a discuté avec pas mal d'entre vous, hein, sur les propriétaires du site dans les ateliers de concertation, c'est qu'on est capable de faire ce qu'on appelle une vigilance, c'est-à-dire de vous prévenir que peut-être dans 2 jours, peut-être dans 3 jours, on va déclencher le pompage. Par contre, la décision de déclenchement sera prise 24 heures avant. Une fois qu'on déclenche le pompage, donc on l'a vu avec la présentation de Pascal, on va pomper avec 42 mètres cubes par seconde, un débit important. Le remplissage va durer 66 heures, à peu près 3 jours. La durée de stockage, c'est-à-dire le stockage pendant lequel on va fermer les vannes de vidange et pendant lequel le casier va être rempli d'eau, elle va être variable suivant les crues. Donc on voit les exemples des dernières crues qui nous ont marqué. Ces deux dernières crues pour lesquelles on aurait fait fonctionner le casier d'écrêteur de crues s'il était opérationnel. En fait, on a des durées qui sont variables parce que l'idée, c'est pas de venir en fait surinonder les gens à l'aval, donc il faut attendre que le niveau de la Seine ait atteint un niveau suffisamment bas pour venir vider ce site. Une fois qu'on a déclenché donc c'est vraiment cette décision de vidanger, on ouvre les vannes, donc on a une vidange qui est gravitaire, et on va mettre 4 à 5 jours pour retrouver le niveau de la Seine. On en a parlé également en atelier de concertation, mais c'est important de le dire. La période de vigilance qu'on a vue, même si elle n'est pas accompagnée d'une certitude sur le pompage, mais surtout la période d'alerte, qui cette fois est vraiment un acte certain sur le pompage, doit permettre d'organiser la mise en sécurité des biens du site. Donc c'est des choses qu'on a présentées tout à l'heure, et notamment on a un engagement qu'on prend, c'est vraiment sur la réhabilitation de ce chemin, et sur le maintien de ce chemin vraiment en traverse, en état, sur la durée de vie de l'ouvrage. On a également fait une simulation sur la dernière crue qu'on a tous en tête, celle de janvier 2018, pour voir sur ces 66 heures comment on va remplir le site. Donc là, on a le moment où on va déclencher le pompage. Excusez-moi. Voilà. Le moment où on déclenche le pompage, donc là on a une première image pour voir qu'est-ce qui se passe au début du remplissage. Donc là, pareil, des choses qu'on a présentées aux propriétaires pour que chacun puisse s'y retrouver. On voit donc avec les dégradés de bleu les hauteurs d'eau qui vont venir au fur et à mesure remplir les passerelles. Et on voit aussi avec les flèches de couleur qui sont jaunes ou rouges, en fait les vitesses vraiment de l'écoulement à l'intérieur du site. Les vitesses d'écoulement du site, on en a bien évidemment à la sortie de la station de pompage, mais ce qu'on regarde aussi avec la simulation que je vais vous défiler, c'est que finalement l'énergie et la vitesse, elle est dissipée dans la darse qui est juste derrière, et hormis quelques points qu'on a ici vraiment de communication en traitant au début, après on n'a pas de vitesse vraiment latérale de propagation de l'eau dans le casier quand on le remplit, donc on va avoir un casier qui va se remplir un peu comme une darse avec la marée sur lequel l'eau va monter progressivement à une vitesse à peu près de 6 cm par heure. On voit 12 heures, 22 heures, 42 heures et 66 heures, donc c'est le délai qu'on avait annoncé, on remplit le casier en 66 heures. Et quelle que soit la forme de crue, on aura toujours en fait vraiment ce remplissage dans ce temps-là. On avait parlé de la vidange, c'est important de le dire. Donc la vidange,